En quoi l'éducation peut-elle favoriser le développement d'un pays? Question autour de laquelle les acteurs de l'enseignement supérieur entendent trouver une réponse. Il s'agissait donc de comprendre l'impact de l'éducation dans le développement d'un pays. Selon les conférenciers, aucune croissance économique ne peut être possible sans l'éducation et la formation. L'étude a montré que à Bondoukou, à Korogo, à Odiné, à San Pedro, ces régions-là sont des régions où il y a un couple développement économique, un développement de l'éducation faible et développement de la pauvreté élevée. C'est-à-dire quand l'éducation se développe, on réduit la pauvreté et on crée de plus en plus de richesses. Nous conseillons aux planificateurs, d'aller dans ces sites-là encore, faire des études approfondies pour savoir pourquoi, dans ces régions-là, la relation éducation-pauvreté est négative. Académiciens, professeurs et étudiants ont suivi avec intérêt cette conférence initiée par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD, dont l'objectif principal est de montrer que l'éducation est un pilier de lutte contre la pauvreté.